Le dîner est prêt. Ouais, ouais, j'arrive. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais ? Je dois m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Tellement parfaits qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de contrat. Tout est ta faute. Papa, non. Tout est ta faute, putain. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Cette conne est partie sans dire un mot. Qu'est-ce que tu fous là? Barre-toi en vitesse, c'est un ordre. Tu m'entends? Non. Je veux que vous laissiez Alice tranquille. Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Tu veux rien du tout, t'es rien qu'un morceau de plastique! Je crois que t'as un problème. Et on va y remédier. Attention, Kara! Ici, connasse.
Alice, mon ange. Alice. Écoute, écoute. Papa est blessé. Sois une gentille petite fille. Viens aider papa. Espèce de garce. Venez. Vous devez m'obéir. Vous êtes à moi.